Salut, c'est Metal Blaze, bienvenue dans ce deuxième épisode sur Medal of Honor, débarquement allié. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième mission. On perd pas de temps, c'est parti pour le briefing. Vous avez fait un superbe travail en Afrique du Nord, mon lieutenant. L'opération Torche a été couronnée de succès. Nos troupes pressent Rommel sur son flanc ouest et Montgomery arrive de l'est. Les jours de l'Africa Corps semblent compter. Le commandant Griot a été impressionné par vos prouesses et il vous confie cette nouvelle mission. Comme toujours, ce que je vais vous dire est classé secret défense. Mais comme vous le savez peut-être, notre principale défense face à la menace des U-boats allemands réside dans notre capacité à repérer ces sous-marins grâce au sonar de la marine et à l'armée de l'air. Malheureusement, nous avons appris que la Kriegsmarine avait mis au point un nouveau matériel, une sorte de détecteur d'ondes de sonar. Le Naxos, c'est son nom, va permettre aux meutes de Hougri de localiser les zones couvertes par les sonars. Ils pourront ainsi les éviter et mettre une nouvelle fois les bâtiments alliés en difficulté. Cela va donner un gros avantage à l'ennemi et le relancer sur le front atlantique. Les Anglais cherchent un moyen de neutraliser ce type d'équipement, mais j'ai bien peur qu'ils ne réussissent pas assez rapidement. Le commandant Griot a infiltré une base de U-boat à Trondheim en Norvège, là où un prototype du Naxos est actuellement à l'étude. Votre mission est de rejoindre le commandant, de l'aider à détruire ce prototype et de dérober les documents que vous trouverez ayant trait à ses recherches. Cela devrait nous permettre de retarder suffisamment l'ennemi pour que les Anglais puissent trouver une solution au problème. Les navires alliés qui traversent l'Atlantique Nord sont essentiels à l'effort de guerre, lieutenant Powell. Aussi serais-je clair, le prototype du Naxos doit être neutralisé coûte que coûte et quelles qu'en soient les conséquences pour vous ou pour Griot. Votre transfert se fera sous la tutelle de résistants norvégiens. Vous partez demain matin à 4 h, alors reposez-vous. Vous recevrez de nouvelles consignes une fois sur place. Bonne chance, mon lieutenant. J'espère vous revoir bientôt tous les deux ici, à Londres. Let's go, du coup. Bah, ça va chier, hein. On commence directement avec un fusil de précision. Et à mon avis, cette mission risque d'être beaucoup plus longue. Ce que je ferai du coup pour cette deuxième mission du jeu, je la séparerai en deux épisodes. Et je voulais faire mention de quelque chose, peut-être que le son de ma voix, peut-être qu'il grésille, je sais pas, enfin j'en sais rien. J'ai un souci avec le câble USB-C de mon casque. Alors je vais bientôt changer, je devrais passer en Bluetooth parce que mon casque est compatible Bluetooth. Et vous pouvez voir que... Ouais, c'est ça, hein. On n'a pas encore commencé, il y a déjà des ennemis. On a un Springfield. Headshot! Ça commence bien. On a un Springfield. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? On a des grenades américaines, des grenades allemandes. On a un pistolet silencieux. D'accord. Hein, c'est plus la même, hein. C'est plus la même ambiance. Que la première mission, c'est plus tout gentil. Et là, non, là, c'est sérieux. Et ils m'ont vu, hein. Ils m'ont clairement vu, hein. Je me tiens juste devant la fenêtre. Ah! Vous devriez m'avoir dans votre viseur. Ensuite, regardez si des renforts arrivent sur la zone. Ok, on va en faire gaffe s'il n'y a pas des renforts. Et du coup, c'était notre copain, c'était le commandant Jacques Griot que nous avons vu durant la précédente vidéo. On l'avait sauvé, rappelez-vous. Arzou, en Algérie. On va faire attention s'il n'y a pas des mecs qui arrivent. Ah! Non! Oh non, mec! Pas déjà? T'es pas déjà mort? Non! Pas de game over. Il est vraiment mort. J'ai pas de salut mon pote, mais tant pis. J'aurais aimé avoir une sonde bande avec salut mon pote, mais tant pis. Oh non! Oh non, 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 non! Sale bête! Sale bête! Ça aussi, c'est une sale bête. Ah, le chien! Ah, je l'ai entendu. Non, 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 non! Si c'est là-dedans qu'on doit aller, il doit y avoir du monde. Ah, attendez. Lui m'a pas vu rentrer. Attention.
couvert, à couvert. Ah, je vais finir le jeu avec accroupi, hein. Ça, c'est certain. Grenade! Sous couvert! Il est pas mort. Ah, oh, il y a du monde! Mais oui, mais forcément, du coup, maintenant, je leur tire dans les genoux. Je fais beaucoup moins de dégâts. Allez, bam! Eh, mais il est pas mort! Mais faut mourir, monsieur! J'avais oublié que la MP40 fait 0 dégâts, mais... C'est le seul pistolet mitrailleur que j'ai. Quoi? Mais il nous a fait quoi, lui? Il a fait attention, je passe. C'est très bien, copain. Par ici, la sortie. Ok, ils m'ont vu. Salut, mon pote! Salut, mon pote! Mais il est pas mort. Attends, tu survis à une balle en pleine tête? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Du plomb? Ah non, bah là, le plomb, c'est moi qui viens de lui mettre. Ah, notre copine, la sulfateuse. Eh ben, dépêchons-nous de la... Ouais, bronte, oui, doucement. Ta gueule! Est-ce qu'on peut mettre un... Voilà! Non, pas le clips! Non, pas les chiens! Pas le chien! J'aime... Hein? C'est quoi cette maltraitance animale? Ben, surtout avec ce que vous avez vu durant la dernière vidéo. Enfin, les dernières vidéos, parce que je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo sortira. Ah non, hein. Moi, la racaille, je la nettoie au Karcher. Toute ressemblance avec des personnes serait fortement fortuite. Bon, j'ai l'air d'avoir fait le ménage. Ok, pénétrons. Wow, wow, eh, c'était gardé là, il y a du monde. Alors j'ai l'avantage d'avoir une souris où je peux changer la sensibilité. Je vais augmenter ma sensibilité. Alors oui, la plupart des souris gamers, on peut changer de sensibilité parce que la mienne, j'ai plusieurs modes que je peux activer. Et là, disons que j'ai la sensibilité à fond. Bon là, vous avez la gerbe, c'est fait pour. Ok, donc on vient de passer une zone de chargement. Et oh, oh, uniforme. Reset. Ah mais non mais... Ça n'a pas marché. Alors vous m'avez vu foirer à l'instant, c'est normal. En fait c'est parce que j'ai mal configuré mes touches. En fait j'ai une touche pour montrer mes papiers et j'ai une touche pour enlever mon arme. Sauf que j'avais pas configuré ma touche pour enlever mon arme. Donc forcément quand je montre une arme devant eux, alors forcément ils s'excitent et ils me butent. C'est logique, voilà. Donc là on se désarme. On entre. Prend les papiers. Bah, allô? Ça n'a pas marché. Ah non, pardon, c'est bon, non, excusez-moi, non, j'ai changé ma touche pour montrer mes papiers, c'est juste pour ça. Je suis un peu con. Voilà, vous avez vu? J'ai mon passe vaccinal! Là, ça marche! Salut, mon pote! J'ai mon passe vaccinal! Ah ouais, j'ai mon passe vaccinal, t'as vu? J'ai mon passe! Me faites pas chier, j'ai mon passe! Bon, on m'a dit qu'on allait me faire chier jusqu'au bout. J'ai mon passe! Là, pour le coup, c'est. Vous vous souvenez de l'épisode précédent en mode infiltration? Là, c'est de la vraie infiltration. Là, je suis. Enfin, je suis allemand. Enfin, c'est ce que je laisse paraître. Je ne suis pas allemand.
En tout cas, s'il découvre ma couverture, là par contre, je suis vraiment dans la merde. Ah, c'est ça le Nexus Prototype. Ok, ah oui, donc c'était ça ce qu'il y avait dans le briefing. Est-ce que je sors une arme? Ouais, enfin, en tout cas, eux ils sont chauds. Hein. J'ai mon passe. Pouvons-nous aller là? Oh merde. Oh. Oh les sous-marins. Je crois que j'étais alerté. J'ai pas fait gaffe aux sous-titres, hein. Excusez-moi, j'étais tellement concentré sur le lieu où je devais aller. Non, ça c'est mes papiers. Mais à mon avis, je devais pas être autorisé à venir dans cette zone. Bon, donc voilà dans la zone. J'ai dû recommencer toute la zone à partir de l'infiltration. J'espère que ça va bien se passer. Je l'espère. Sinon, je vous referai une coupure à partir de cet endroit-là. Là, l'infiltration fonctionne à merveille. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mal se passer? Oui, bah là tout va bien. Mes papiers ne sont pas valables. Ok. Mais est-ce que je ne peux pas juste tout simplement rentrer et forcer comme un connard? Je rentre comme un connard. Ouais, non, ils ont dit non, hein. Ils ont clairement dit non. Voilà. Je suis quand même dedans. Ouais, et maintenant, nous sommes dans le sous-marin. C'est pas parfait, ça. On va quand même regarder un petit peu ce qu'il y a, c'est beau. C'est beau et en vrai c'est grand. Waouh, et voilà, là. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a fait sonner l'alarme. Mais les gens à l'intérieur du U-Boat, ils entendent rien. Donc du coup, ils voient pas mon grade, ils s'en battent les couilles. C'est génial. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la deuxième mission. Enfin, pour la première partie de la deuxième mission. Parce que sinon, l'épisode va commencer à être un peu long, parce que voilà, moi je trouvais que l'épisode le premier épisode était un peu long et que 30 minutes c'était beaucoup trop long. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord et me soutenir sur YouTube. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.